Au large de l'îlot Bandrélé, un entraînement nautique des plus difficiles. Depuis le petit matin, ils sont une dizaine de sapeurs-pompiers sauveteurs côtiers, professionnels et volontaires, venus de tout Mayotte, à répéter encore et encore les mouvements de crawl et de brasse dans l'immense océan Indien. On fait entre 3000 et 5000 mètres par entraînement, afin de pouvoir toujours être opérationnel pour éviter les crampes, pour pouvoir avoir la rapidité nécessaire en cas d'intervention. Un exercice de routine qui a surtout pour vocation de renforcer la cohésion de groupe. Quand on est élevé, c'est toujours en équipe. Donc, quand on part même dans l'eau, il faut toujours être en binôme, à deux. S'il y en a un qui veut faire des apnées, il faut toujours que nous, les autres, soyons là pour le surveiller une fois à l'intérieur. Après l'échauffement, s'ensuit l'exercice de récupération d'une victime déposée sur la plage. Ici, une personne diabétique en incapacité de se déplacer. C'est là qu'intervient le témoin qui fait signe au zodiaque des sapeurs-pompiers. Le témoin, le chef Salim Afidou, est nageur de pointe. Il vient prendre l'information avec exactitude afin que l'équipe d'intervention les rejoigne avec le matériel d'urgence adéquat. Moi, j'allais au champ, j'ai trouvé la dame qui est là depuis 4h du matin. L'équipe d'intervention est composée d'un chef de bord et de deux nageurs. La victime est transportée avec soin sur un plan dur flottant en direction du semi-rigide avant d'être prise en charge. Souvent, c'est des gens qui sont malades et ils se font déposer du côté nord de l'île. Lorsqu'on arrive souvent là-bas, la mer on se trouve à marée basse. Donc marée basse, le bateau ne peut pas pénétrer. Donc on va chercher la personne à la nage. Autre cas d'école pour ces anges gardiens, la recherche d'une personne disparue. Ça représente environ 30% de nos interventions, environ 30%. Et sur ça, il y a environ 60% de dépôts de Kwassa qu'on fait souvent dans le nord. Et le reste, on a les bateaux chavirés. Ces sauveteurs aquatiques sont peu nombreux, à peine une soixantaine. Seuls les meilleurs nageurs de l'île composent ce groupe d'élite qui surveille les 313 km de côte mahoraise.